Camarades survivantes, c'est le Bronx. C'est Fredo qui vous parle en direct d'une situation catastrophique qui pourrait bien voir la fin de notre petite colonie. On va faire stop. La pluie acide. Mes amis, une pluie toxique s'abat sur nous depuis déjà 6 jours. Et ça peut durer plus de 15 jours. Le problème, c'est que regardez sur la map, il n'y a plus une bestiole. Il reste quelques boumalopes qui doivent être en accumulation toxique extrême, c'est-à-dire c'est des bestioles très résistantes, tout comme les éléphants. Vous voyez, regardez, hop, voilà. Bon, non, ça c'est un cadavre, ça n'a rien à voir. Les boumalopes résistent plus ou moins, les éléphants, mais les éléphants c'est pareil. Ils sont en accumulation toxique extrême, donc ils vont décéder, et regardez la végétation. On était dans la jungle, bon là il y a eu un incendie, je suis d'accord, on était dans la jungle. La jungle, elle a été défoliée. On se croirait au Vietnam quasiment, les gars, à la fin de la guerre du Vietnam. Donc là, situation pas amusante. Bon, lui, il est en intoxication alimentaire, accumulation toxique. Et en plus, c'est un tox, Shimizu, parce qu'on l'a envoyé dehors chercher des trucs. Fluff. Où est Fluff? Ah oui, Fluff, elle est dans le médical. Fluff, elle est là, parce que Fluff, elle s'est fait elle s'est fait marave par un casoar, une espèce de grosse autruche. Et bon, pareil, elle est toujours en intoxication au smoke leaf. En bouffe, il nous reste de la viande d'insectes OGM, un peu de viande d'oiseau. Et c'est tout. C'est tout. On n'a rien d'autre. Ça, c'est pas récoltable. De toute façon, ça va disparaître. Ça, on pourrait essayer de le récolter. Ça, on va le récolter. Qui c'est qu'on va envoyer? Je vais envoyer récolter tout de suite, hein, de toute façon. Fermier. Ouais, mais c'est Yoshimitsu, le fermier. On va envoyer Cosette, je vais la mettre en 1. Yoshimitsu, quand il va se réveiller... Oh, le nettoyage, ça va. Maydaylin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle me fait des habits, mais moi, c'est bon, j'en ai marre des habits. Là, maintenant, on en a assez. Je vais la mobiliser et la démobiliser. Allez, go. Vas-y, fais autre chose, s'il te plaît. Je peux pas faire autre chose. Qu'est-ce que je lui ai demandé à cet établi? Ah ouais, elle a juste un manteau homme fabriqué. On a de la sape. Hein. Et lui, bah lui, il a bouffé toute la smoke leaf, cette espèce de coyote. Donc là, là franchement, hein, tel que vous me voyez, la situation, après je ne sais plus combien d'épisodes, la situation est catastrophique. Donc là, vous rajoutez un raid là-dessus et on est bon. On arrive peut-être au bout, c'est possible. Ça, on pourrait le récolter, combien on en a? 2, on va les récolter. C'est pas violent. Il n'y a plus rien, quoi. On nous a défolié la jungle. Jungle defoliation, comme on dit en suédois. Je vais pas aller trop vite. Hein. Je vais les surveiller d'un œil. On est peut-être au bout. Tu vas réussir à faire ça, toi, et après arrêter un peu, non? Tac, elle est pénible. 2 sur 3, j'accélère un peu. C'est bon, c'est fini? Ok. Ah non, mais c'est parce qu'elle est partie soigner la taupe. La taupe qui s'est... La taupe qui a perdu l'audition. Hein. Là, cette fois, on est au top. Hein. Les gars, là, perte d'audition à gauche, à droite. Alors, déjà qu'elle était moitié miro, là c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Tu te reposes plus jamais, toi, Maydaylin. Maydaylin, elle est... Comment elle en est, là? Dortoir impressionnant, soleil troublé, oui. Piégé à l'intérieur, bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te lise? Eh, me mangez pas tous les plats. Hein. Oh! Restriction. Tiens, vous avez rien à faire, viens voir Cosette, regarde. Voilà, c'est juste psychologique. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre... Même les médocs, vous savez quoi, on n'en a plus. Ah, Fluffy se lève. Et qu'est-ce qu'elle va faire en se levant? Bah bien sûr, elle va fumer un joint, tranquille. Qu'est-ce qu'elle a dit à l'autre zozo, là? Fluffy la taupe et Maydaylin ont bavardé à propos de combattre des lièvres. Ouais, mais il n'y a plus de lièvres. D'accord. Donc on fume. J'aimerais bien, toi, après, que t'arrêtes. Allez, ça y est, elle est tombée. Elle a fumé un joint un peu trop dosé, là, je pense. Faire la santé. Stop. Ouais, défoncé au smoke 11h, ok. Ouais, bon, bah, faudra que ça fasse. Lui, là, il va se lever ou pas, là? Ouais, enfin, c'est bon. Et il va se lever, il mange. Et il fume. Putain, les mecs, ils font que ça. Ils bouffent, ils fument, ils fument, ils bouffent. Bravo. Joli boulot. L'affaire suit son cours. Va pas en... Hey. Qu'est-ce qu'il va faire?
Il erre. Tu vas pas errer. Tu sais ce que tu vas faire, gros sac. Tu vas venir récolter. Yoshimitsu. Ah merde, pardon. Planning. Yoshi et Cosette, vous allez en non restreint. Allez, go. Coscos. Allez, go. Essayez d'aller trouver de la bouffe, s'il vous plaît. Lui, il est parti où? Il nettoie dehors. C'est une très bonne idée. Bien sûr, on a que ça à foutre. Non, mais t'es marteau ou quoi, toi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, d'accord. De la smoke. De l'ambroisie. Elle va dérouiller. Je surveille la santé de Cornebidouille. Pardon, stop. Santé, accumulation toxique, début. Bon, toi, tu sais quoi? T'as mangé? T'as pas faim? Ouais, ça peut à peu près aller. Animaux, tu vas retourner en base, en safe. Voilà. Très bien. Yoshi, tu arrêtes de faire le con, je t'ai dit. Tu rentres ceci maintenant. Allez, dépêche-toi. Arrêtez de faire les ânes. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît, là-haut. Mettez-y du vôtre. Voilà. De toute façon, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Après, je sais pas comment on va faire. J'ai même pas eu le temps de refaire les pièges. On n'a plus de bois, on n'a plus rien. Stop. Ordre. On va essayer de couper un peu de bois. J'ai plus de bois. Non, j'ai plus de bois. Qu'est-ce qu'il reste en bois? Il reste pas grand-chose en bois. Purée. Qui c'est qui est forestier dans mon métier, là, dans mon boulot? Forestier, c'est Yoshimitsu. Ouais, mais Yoshimitsu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Saleté animale, ouais, ça je le sais. Ouais. Oh, les gars, Yoshi. Dépêche-toi. Laisse-moi pas traîner ça dans le toxique. C'est bon. Chun, elle est là. Yoshi, il est là. Mayday, elle est où? Elle est là. Et Cosette? Cosette, elle replante ici, c'est pas la peine. Franchement, tu vas retourner en safe. Planning. Cosette, reviens en safe. Dépêche-toi. C'est pas la peine, on n'a plus d'animaux. Est-ce que je devrais pas... Ouais, voilà, je vais interdire le semis là-dedans, ça ne sert à rien. Ça, c'est prêt à être récolté ou pas? Non, 92. Ça va mal, hein, les amigos, ça va mal. Et l'autre, ça fume à l'hosto. Tout le monde fume à tour de bras. Ça mange, ça fume. On n'a plus rien. On n'a plus... Putain, ce qu'ils peuvent bouffer dans la journée, ils passent leur temps à bouffer, sans rigoler, quoi. Ils font que ça. Fluff, elle... Voilà, ils sont venus prendre des plats pour les emmener avec eux, au cas où. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va soigner, on n'a plus de soins. Tu vas soigner qui? Les élevés? Qu'est-ce qu'elle bidouille? Elle va donner de la... Non, j'ai eu peur, je croyais qu'elle allait donner de la bouffe à elle. Bon, ça peut pas s'arrêter un peu la pluie toxique, là c'est très rigolo, mais... ça, c'est très dangereux. Vas-y, nettoie toi, t'as raison. Yoshimitsu, t'en es où toi de la santé? Accumulation toxique mineure. Eh ben c'est bien mineur. Mineur c'est pas grand chose. Va me faire un piège et puis après tu rentres. Oh ça pleut là. Purée. Allez rentre vite. Non mais attends je vais le remettre dedans lui. Voilà tu restes en safe. Tout le monde reste en safe, tranquille, on attend. Je suis désolé pour vous qui regardez la série. Hein. C'est comme pour moi, hein. C'est-à-dire que là, on attend. Là, on n'a pas le choix, on patiente, patiemment, on attend que ça s'arrête. C'est un petit peu long, ça fait 7 jours et ça peut durer ouais, une saison, quoi. Donc, bah voilà, c'est des pluies toxiques, c'est la vie, on peut rien y faire. L'autre, elle fait des recherches. Qu'est-ce qu'on recherche, d'ailleurs? Là, on est en train de rechercher quoi? L'usinage, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Donc, avec l'usinage, on pourra faire quoi? Des cocktails Molotov. Ça, c'est très gentil. Et un établi d'assemblage, surtout. Personne ne voudrait miner. Travail. Qui c'est qui mine? Qui c'est qui aime miner? Fluffy, pourquoi tu mines pas? La constructeur, il n'y a rien à construire.
Elle fait quoi? Ah ouais, non, mais Fluff, elle est... Ouais, exact. Yoshimitsu. Ah ouais, il a plein de trucs à faire. Et Cosette, elle aime bien miner. Mais... Elle a d'autres choses à faire aussi. Je sais pas quoi faire pour les occuper. C'est comme les enfants quand vous êtes en vacances. Quand est-ce qu'on arrive? Bah là, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Cornebidou, il reste calme. Cornebidou, de toute façon, il va bouffer toute la smoke. Risque de démence majeure de qui? Fluffy Lato. Bon, écoute, t'as qu'à fumer moins, tu seras moins en démence. Brouillard pluvieux. Oui, bah oui. Enfin bon. Plus toxique. Brouillard pluvieux et plus toxique. Donc on est au top. Bon, alors la base est propre, hein. Y a rien à dire. Combien il fait? Là, il fait moins 14, ça tient. Là, il fait 24. Mais alors, par contre, le problème, c'est que tout ça est considéré comme une grande pièce. Là, il fait 25. Là, ça n'a toujours pas été creusé. On attend. Oh, lui, il va se lever un jour, non? C'est bon, il va pas rester... Oh, il va pas rester aux plumes éternellement, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Allez, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Je suis en retard sur tout. Ah, ça y est, le riz, il a déjà été complètement consommé. Ouais, bah là, ça veut dire que... Là, ça veut dire que c'est catastrophique. Là. Donc, mon système de batterie fonctionne plutôt bien. Pour le moment, hein. Pourvu que ça dure. Toi, t'as faim ou pas? T'as pas trop faim, mais je vais t'autoriser une petite sortie. Allez, va te balader. Et eux, ils savent pas quoi foutre. Arrête tes conneries, quoi. Ouais, bah tu sais quoi, Cosette, si tu sais pas quoi faire, travaille. Tu vas miner. Allez, go. Cosette, tu vas me faire des pièces. D'accord, je lui dis de faire des pièces, l'autre qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue aux échecs, tout va bien. Claustrophilie, alors oui, elle, elle est claustrophile. Elle aime bien être enfermée, alors là, ça tombe bien. À manger sans table, malade et souffre légèrement. Malade de quoi, s'il vous plaît? Accumulation toxique insignifiante. On l'accepte. Cosette, tu veux pas miner? Inanition de qui? Fluffy la taupe. Crise de colère. Aïe, 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 elle va défoncer l'ambroisie. Elle a niqué l'ambroisie. Ouais, d'accord. Bah, c'est pas grave. Tant pis. La situation se dégrade. À vue d'œil. Hein. 88%. Est-ce qu'il y a des... Stop. Est-ce qu'il y a des baies quelque part? Il n'y a plus rien. Sans déconner. Oh, quand c'est toxique, c'est toxique. Là, ça rigole pas. Et l'autre, il est mort, enfin. Ça fait qu'on a même plus... La faune. Il reste une éléphante. La dernière survivante de la race. Avec elle. Avec lui, pardon. Eh ben, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Cosette, j'aimerais bien que t'ailles miner. Je comprends pas. Cosette, je l'ai mis en 1, le minage. Mais, quoi qu'il arrive, elle fait autre chose. On va la surveiller, parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc, on va regarder Cosette, voir un peu ce qu'elle fait. Donc, elle joue aux échecs. Maintenant, elle erre, à la place d'aller miner. Je sais pas pourquoi. Ah, mais attendez. Pourquoi là, ça pleut, là? C'est... inexploré, mais ouais, mais... Ah non, mais c'est parce que ça pleut sur le toit. Architecte, zone. Étendre la zone de base. Voilà. Retirer de la zone de base. C'est pas la peine de venir si loin. Pour le moment, je dis bien. Là, on va calmer. Hein. Voilà. Je gère hein, mes petites zonettes. Ça, c'est plutôt pour les incendies. Voilà.
Ça, c'est de la zone de base si on veut. Ça, c'est de la zone de base minimaliste. Voilà. Ok. Bon, on continue. Cosette. Cosette qui erre, qui ne veut pas aller miner. Y a rien à bouffer, c'est pas la peine de regarder, y a rien à bouffer. Bon, tu sais ce que tu vas faire, tu me fatigues. Ah, merde. Logique. Architecte. Zone. Étendre une zone autorisée. Safe. Pardon. C'est de ma faute. C'est de ma faute intégralement. Comme d'habitude. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, toi, Chun-Li? Qu'est-ce que t'as raconté? A papoter au propos d'apprivoiser des salamandres. Oui. Faites, faites, faites. Inanition. De qui? De Chun-Li? Bah ouais, mais qu'est-ce que je te dise, moi? Y'a plus rien à bouffer, de toute façon. Ah ouais, bah alors lui, il est pas arrivé. Mais c'est pas grave, il participe à l'effort global. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais arrêtez-moi cette pluie toxique, par pitié. Et la nourriture se fait rare. Et ça, vous voulez pas manger, ça? Stop, viande d'insecte. Alors, dans les assignations gastronomiques, gérer les règles d'alimentation. Choisir l'alimentation. Gastronomique. Gastronomique, on va autoriser. Donc, on a dit les plats. Les ressources brutes. Non. Les cadavres. Non. Dans quoi ça se trouve, ça? Aliments crus, produits animaliers, gelée d'insectes. Eh ben, ça c'est de la gelée. Ah non, ça c'est de la viande. Et ça peut pas se cuisiner. Non? Et si ça se cuisine pas, on est dans la misère. Je vérifie à nouveau. Gastro. Alors, nanana, aliments crus, les viandes crues, non. Viande d'insectes OGM, ça peut pas se cuisiner, ça? Non? On peut pas faire des plats avec ça? C'est bizarre. Je regarde, hein, je fais ma petite vie, tranquille, vous inquiétez pas pour moi. Fermé. Donc, est-ce que là, tâche, gastronomie, nanana, végétarien, carnivore. Ah! Non, mais moi, je veux pas faire un plat cuisiné carnivore. Et là-dedans, normalement, ça passe, ça, les... Attendez, là, le troisième à gauche, là, c'est bien de la gelée d'insectes, on est d'accord. Enfin, c'est de la viande d'insectes. Bon, bah dans ces cas-là, alors attention, planning, non pas planning, assignation, règles d'alimentation, choisir l'alimentation, gastro, je veux pas que vous mangiez ça, fermé. Par contre, le cuistot c'est qui? Toi, t'es là? Non, c'est qui le cuistot? Je me souviens même plus. Travail, cuisine, cuisinier, cuisinier c'est Mayday, Mayday, tu vas venir ici, tu sais quoi? Et tu vas... Mais je veux pas des plats raffinés végétariens, tu me saoules. Plat simple. Ok. Mais ça, c'en est pas des aliments crus? Putain, c'est pas possible au monde entier. Excusez-moi YouTube, ça m'énerve. Je vais être obligé de leur donner l'autorisation de manger ça cru. C'est quand même fou ça, non? Ça c'est prêt à mûrir, ça c'est prêt à récolter ça, bientôt. Ça, ça c'est prêt à récolter. Hop. Agriculteur, c'est qui? Fermier, ça va être encore Cosette. Cosette. Travail. Planning. Le planning, on est bon. Bon, je vais mettre Cosette en. Je sais plus ce que je fais. Hein. Là, j'ai perdu là. Perdu le contrôle. Allez, go. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'il faut leur dire tout. Parce que sinon, ils font pas.
D'accord. Je devrais peut-être pas ouvrir ici tout de suite. Ouais, ça évitera que ça soit le bordel. Alors les zones. Étendre la zone de base. Donc là on a le droit. Ouais, c'est joli. Ok. Je vais prévoir pour un peu plus tard. Voilà. Merde. Ah oui. Toi tu vas... Faut tout gérer, c'est infernal. Sans déconner, c'est... c'est infernal. C'est diabolique. Bon après c'est un jeu de gestion. En même temps quand on joue à un jeu de gestion, si c'est pas pour gérer, c'est ennuyeux. Si elle rentre là-dedans, elle va bouffer la smoke. Non, les patates. Et voilà, on récolte 9 patates et qui c'est qui les bouffe? C'est le rhino. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ici on pourrait mettre une porte. Ouais, on va faire ça. Structure. Une porte en quoi? Porte en grès. Est-ce qu'on a du grès? Faites voir. Bloc de granit, on garde. Bloc de calcaire. Bloc d'ardoise, on en a pas mal. Bloc de granit. Bon, on va faire une porte en ardoise. Go. Porte en ardoise. On met une porte en ardoise ici. Voilà. Et on en mettra une autre ici. Et là, on pourra fermer, ouvrir. Ça nous fera toujours une communication en plus. Mes pauvres amis. L'heure est grave. L'heure est grave, mais alors l'heure est gravos. Gravos, gravos. On avait des trucs à faire, mais qu'est-ce que qu'on fasse? De toute façon, on peut rien faire. On va attendre pour voir s'ils ont vraiment très faim. Ah oh ouais, ouais, non, là, ils ont tous très faim. Qu'est-ce que je pourrais les envoyer faire? De toute façon... Il reste une éléphante, mais elle n'est pas consommable. Accumulation toxique extrême. Accumulation toxique extrême, il est inconscient. On va pas manger ça, on va être malade. Faut t'en canner directement. Ah, je me voyais plutôt... je voyais plutôt une fin de colonie avec un gros raid, un truc horrible. Et vu que je suis toujours pas prêt, qui me défonce. Mais non, mais vous imaginez, c'est le climat de cette putain de planète qui aura eu ma peau. Bon, bah on va leur autoriser ceci. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça s'arrêtait maintenant, on n'aurait pas le temps de... Après, est-ce que je devrais pas... Tant pis pour le rhino, quoi. Bah écoute, rhino... Rhino, tu vas aller... Cosette, tu vas rester en safe un petit peu. Le rhino, animaux, pardon. Rhino, tu vas aller en non restreint. Tu vas aller bouffer ailleurs, j'ai pas envie... Je veux vraiment pas... Tu vas aller en familier. Voilà. Je veux pas que tu viennes m'emmerder dans la maison. Tant pis si tu meurs, j'accepte. Tu décéderas tout seul dans la nature. Bon bah on va leur autoriser assignation, gérer les règles d'alimentation. Gastronomique. Ok. Allez go. Allez manger. Manger de l'insecte les gars. Oh là ils ont la dalle. Hein. T'es bon. Donc le pas... Alors, voilà. Allez, hop. Un tas de 75 disparu. Oh, ils ont bouffé cru. Ils sont pas contents. Ça va très mal aller. Je pense que ça va plutôt très mal aller. J'en ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, alors là... À comparer Cosette à une perdrie. Ah, un perdrie. Génération aléatoire. Une perdrie. Pff, ce n'est pas une insulte. Allez. Voilà, tu me fais une porte ici et puis ensuite on va miner ici. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il finit pas ce qu'il commence, cette espèce de clochard de Yoshimitsu là? Est-ce que ça va? Ça se calme le... On discutait de combattre des panthères. Ouais, bah vous en êtes pas là mes amis, vous en êtes pas là je vous le dis. Il nous reste plus rien. Il nous reste des joints. Ce qui n'est pas un mauvais début. Alors, la recherche, est-ce qu'elle est finie? Stop. Non, la recherche n'est pas finie, mais on n'en est pas loin. Je peux même pas faire une caravane et partir parce qu'ils vont mourir en route.
J'y avais pensé, hein. Mais je me suis dit, bon, si c'est pour que je les vois tous décédés en cours de route, c'est pas tellement la peine. Après, je sais pas sur quelle surface il y a de la pluie toxique. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas assez avancé dans le jeu pour le savoir. S'il suffit de sortir du chunk, là, et puis en dehors, ça va, ça serait bien. Mais je suis pas persuadé. Qu'est-ce qui se passe? Qui? Mayday? Pourquoi? C'est tout, piégé sous terre, manger de la nourriture crue. Et alors? Mais c'est trois fois rien, ça, ma pauvre vieille. Ne t'en fais pas. Toi, tu vas pas bouffer les patates. Hein. Tu passes à côté, tu les regardes, mais tu les manges pas. Ça, c'est pas mûr. Ça, c'est mûr. Ouais, vas-y. Voilà. Ça, ça et ça. Ça sera à transporter, Cosette. Désolé, Cosette. Planning. Tu passes en non restreint. Et tu vas me transporter ce bordel. Fluff, toujours lui. Alors lui, franchement... Oh là 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 là. Accumulation toxique. Il s'en sort pas, lui. Il ne s'en sort pas. Et ça fume, ça fume. Vous avez la dalle, mais au moins, vous êtes de bonne humeur. C'est bien. C'est gentil. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Combien de jours, la pluie toxique? 9 jours. Ouais, d'accord. Ah, l'usinage. Des établis d'assemblage pour fabriquer des armes et des machines ou pour déchiqueter des mécanoïdes. Alors, ça, c'est très bien. Établis d'assemblage. Stop. Déjà, vous savez ce qu'on va faire ici. Architecte. Énergie. Je sais même pas si on a besoin de tirer des câbles. Je suis pas sûr. Mobilier. On va mettre une lampe, déjà, ici. Ah, on peut pas parce que c'est pas lissé, bien sûr. Aplanir. On va aplanir ici aussi. Allez-y, c'est très bien. Et on va se fabriquer un petit établi d'assemblage. On pourrait regrouper certains ateliers, je pense. Fais voir. Alors déjà, production. Poste basique de recherche, établi de sculpture. Établi de forgeron, établi de tissage. Il est où l'établi d'assemblage? Je ne sais pas. C'est pas l'établi de forgeron quand même? Si. Ah, il est là, pardon, excusez-moi. On va se mettre un petit établi d'assemblage ici. Et on va se mettre un petit établi de forgeron, pourquoi pas. Ici. Quoi? Pas assez de ressources, il faut quoi? Du métal? Ouais, mais on verra plus tard ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, go. Risque de vêtements en lambeaux de qui? Maydaylin, pourquoi tu changes pas d'habit? Projet de recherche nécessaire, oui, tout à fait. Mais pour le moment, on va pas faire de la recherche parce qu'on va mourir. Donc c'est pas la peine de s'énerver. Donc elle passe par là pour nettoyer, c'est très gentil. Combien de degrés il fait là-dedans? Oh putain! C'est chaud là. Il fait très chaud là. Pourquoi il fait si chaud que ça là-dedans? Dehors il fait 28. Et là il fait 27. Ah ouais, mais là c'est ouvert, c'est normal. 27, 26, 26, moins 3, moins 4. Ouais, on est sur... on est pourtant pas sur une grosse vague de chaleur. Et là ils vont souffrir si je les laisse là, moi. C'est bizarre qu'il fasse si chaud en intérieur. La nourriture se fait rare, je le sais, j'en ai conscience. C'est pas très... Pff, tant pis. Est-ce qu'on devrait remettre une deuxième porte? Je peux pas remettre une deuxième porte, ça va faire porte sur porte. Eh ben allez-y, mangez mes amis, mangez, mangez, mangez. Tant que vous avez bon appétit, mangez. De toute façon, je sais pas ce qu'on va faire. Bon là on a un semblant de prison. Donc tout ça... Hop, vous me le transportez un jour. Pas ça, pas ça, pas ça. Voilà. Voilà, donc mangez bien, hein, n'hésitez pas. En extérieur, ben voilà. Ouah. Vous me rappellerez la prochaine fois. Oh, il n'y a plus rien à brûler. Alors, je vais te dire, tu peux y aller, hein, il reste trois arbres. Vous me rappellerez la prochaine fois de miser... Qu'est-ce qu'elle est partie faire, la folle? Ah ouais, elle est partie miner ici, vas-y, vas-y. Vas-y, on s'en fout, de toute façon, vas-y, je te lise, moi.
Vous me rappellerez donc la prochaine fois de miser un peu sur les cultures en intérieur. Parce que si jamais il m'arrive un petit embrouille comme ça. Oh, et là, il n'y a plus rien à bouffer. Ah, c'est la dèche. Pluie toxique, toujours. Ah, oh, mais il pleut plus là, si? Stop. Ça y est. Ça y est, les amis, ça y est. Il ne pleut plus. Alors là, planning. Tout le monde passe en non restreint. On va mettre tout le monde. Planning. Travail. Je suis désolé, mais alors là, on va mettre du fermier. Voilà. Go. Go, tous, go, 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 go. Tous. Vous me semez le fourbi, là, mais dépêchez-vous. Hein. Dépêchez-vous, parce que là, j'en peux plus, moi. Là, on a failli caner, hein, je vous le dis. Waouh, 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 waouh. Wow. Les amigos, c'était juste. Arrêtez de fumer sans arrêt. Putain, mais c'est pas possible. Là, on est en autorisé le semi, là, on est en autorisé le semi, là, on est en autorisé le semi, là... C'est de l'herbe à foin, ouais, ouais, si, si, autorisé le semi. Pourquoi mes patates et mes patates, c'est pas la même zone? Supprimer. Hop. Agrandir la zone. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe? On peut pas se mettre là? Voilà. Semer, 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 semer par pitié, semer partout. Refaites-moi des pièges parce que là maintenant, bien sûr, il va nous en tomber une sur la galache, c'est clair et net. Des arbres, du bois, on est bon. Dépêche-toi. Allez, go, maintenant on se met sur la construction. Là, j'en ai marre. C'est fini le bordel là. Tout le monde sur l'agriculture, et après, une fois qu'on a fini de faire les cons, on y retourne. Bon, bah, écoutez, les amis, ça a failli, mais ça a vraiment, vraiment, hein, ça a failli être chaud, chaud de la belette, comme on dit. Donc, on s'en sort bien, pour le moment. Pour le moment, jusqu'à ce que notre ami Randy Random vienne nous voir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, restez calme, surtout, ayez foi en l'avenir. On sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut mal finir, mais regardez, pour une fois, ça s'est pas trop mal dordillé. Pour le moment, à bientôt, à la prochaine.